Dernière partie. En émission secondaire comme d'habitude, vous avez l'habitude. On va essayer d'aller à 75% hein, pour avoir la tenue une bravoure. Ça a l'air vraiment fort. Ça sert à rien ce que j'ai là. Niveau des points de vie, attends. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Il est caché, le petit vicieux. Ouais, deux à gauche, j'ai bien vu. Déjà, je voulais là. Il y en a un, il y en a un, j'ai bien fait. Ah, j'ai trop hâte d'avoir la tenue à 75% là, ça a l'air insane. Comme j'ai dit, je pense que c'est une tenue qui augmente, qui fusionne la magie et les DPS. Je pense. Et du coup, on va devenir cheaté. Je pense, hein. Si vous, j'ai de la merde. Hein. On verra bien de toute façon. Je meurs parce que je tape un bateau attaque. Ah parfait, j'adore qu'ils sont stun comme ça. Fais ça pour me sortir du mauvais pas. Ah bah je suis mort. Hein. Je garde de l'éther pour ce sort là. Je suis mort. Ok. Je garde. Après c'était rapide. Donc qu'est-ce que je fais, une petite queue de phénix? Ça va. C'est quand même rapidement je trouve. Hein. On s'est safe là où j'étais maintenant.
Réussi. Juste deux coups, ça va. Ah, la brassée d'escorte, celui que je viens d'acheter à 40 000, je l'ai gratuitement. Shit, hein. Dans le coin au début. Ah là, c'est mourir aussi, c'est perdre beaucoup de temps, hein. Activating combat mode. Ah mais tir mortel aussi. Oh mais c'est pas de marrant ça encore. Vous faites tir mortel aussi, c'est bon quoi. Activating combat mode. Mais ouais, mais double coup. Putain. Le problème c'est qu'il faut que je fasse un sort pour contrer le tir mortel, en même temps je dois esquiver, le coup au corps à corps. Mais ouais, bah, je peux pas. En fait je peux pas, je peux juste pas en fait. Je peux juste pas le faire. Je vais tenter un coup de poing au début, voir si, ça marche ou pas. Non, allez. Allez, je suis mort. Voilà, mort subite, voilà, voilà. Relou ça. Activating combat mode. Bring it on. Non. Plus les bas. Comment il peut y avoir 7 coffres ici? Un coffre ici je pense. Aïe aïe aïe. La technique du mur. Okay, let's go. Activating combat mode. Il faut que je tue le petit moustique avant. Ah, pourquoi ils ont mis un petit moustique avec? Activating combat mode.
Il a un point de vie. Il a un point de vie. Trop drôle, putain de merde. Putain de merde. Activating combat mode. Il y a trop de coffres par contre. C'est un démon en plus, le boss. Ça va être chiant. C'est bon. Le... C'est bon. Level up encore, hein. On ne s'arrête plus. Alors, Endemonium, très bon jeu d'ailleurs sur PS1. Il y a 8 coffres. Oh là, j'ai plus des coffres. J'en peux plus. Il y a trop de coffres. Ah oui, mort subite aussi. Ah oui, il y a beaucoup de morts subites quand même. Hein. Il y a beaucoup de morts subites dans ce jeu quand même. Là. Juste en face là. Ok, allons-y. 4 sur 8. Il y en a en face, pas vu. Ah, je ne sais sûr, je savais pas si j'avais le temps de faire le coup de poing ou pas. J'ai pas le temps apparemment. Vraiment j'ai pas le temps. Activating combat mode. On va essayer de tanker le. Voilà, hop, c'est bon. Passage à faire ici. À mon avis, il y a un dernier coffre en bas et après il y aura le dernier coffre à la fin du niveau. Ah, les deux derniers coffres sont là. Ça me va. Double sort, c'est quoi ça?
Vert, je crois. Double sort, c'est quoi? Ah, il a. My bad, c'est violet. Permet de lancer un sort équipé deux fois de suite. Ah. Ouais, mais ça me met en danger si je fais ça. Ça met en danger. À part si deux fois de suite, genre, ça tape deux fois en une fois. C'est con, on va tester. Mais à mon avis. Mon avis, ça pue. Ah oui, ça lance bien deux fois d'affilée. Ah ok, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Go au boss, on a tous les coffres. Ah. Il va one shot lui. On va essayer d'esquiver les combats. Ok. Tout seul toi? Mon pauvre. Ah! Je trichote. On va juste attendre qu'il attaque avec sa pistolet à main. Et après on tue. Pistolet à main. Et voilà. Ah là c'est que des missions 10 là. À la mission 10 c'est compliqué hein. Et à lui en plus. Ah mais c'est trop dur là. Ouais mais attends. Attendez, je suis pas prêt à ça moi. Attendez. Il y a le petit monstre, je suis pas prêt au petit monstre. Le petit monstre il est fort de fou. Tue le petit avant là-bas. Ah, c'est bon. Non faut tuer lui. Ah mais je pense que je fasse. Bien sûr, on va y a un coup final dans son pattern. Grid. Oh mais lui Finus c'est insupportable en fait. Parce qu'en fait il a trop de vie. Il a trop de vie, j'en ai pour une heure et demie à le tuer. Est-ce qu'on n'essaierait pas de fuir à la place? Est-ce qu'on n'essaierait pas de fuir? Oh ça va être trop lourd. Ça doit être lui le boss en plus. On peut fuir hein. Eux ils sont trop chiants. Si c'est des monstres basiques tout le long là, on va souffrir.
Alors pourquoi je fonce dans le mur, hein, vous vous demanderez. Pour éviter des combats. J'ai trouvé ça tout seul, ça... Une fois ça marche, ça passe des combats aléatoires. Moi ça me va, je recherche parce que... Mon but c'est moi, c'est d'avoir tous les coffres et tuer le boss. Les monstres sur le chemin... Les monstres sur le chemin, on fout un peu quoi. Hein. À se mentir hein. Sauf si c'est des sacs à PV. Je m'attendais à que ce soit le boss, le Figus. Il y en a combien? Il y en a deux en plus. Ah ok, enfer. Trop dur, ça va être trop dur les gars. Il est faible lui. Ils sont faibles. En vie je veux dire. Ah bah ça va. Ils sont faibles en vie, ça va le faire. Merde. Activating combat mode. Allez. Le problème c'est qu'ils ont un truc pour voler de la vie et ça c'est un peu embêtant. Y a pas trop de bons moments où vous les tapez. Mais ouais, en fait, y a pas trop de bons moments où tu peux les taper. Le truc, c'est qu'ils sont deux. Activating combat mode. Regarde bien un coup. C'est pas cher. Y a que quand il fait déchirure, qu'il fait la roulade. Voilà, quand il fait ça, là, c'est gratuit. Ah, roulade. Il est de fou et tout en plus. Et tombe par terre. Voilà, hop, parfait. Et double coup. Chirure, vas-y. Tombe par terre. Ok, c'est vraiment là la frame où tu peux le taper, c'est quand il tombe par terre. Tombe par terre. Let's go les gars. Ok. Pas évident. Attends, les missions niveau 10 hein. C'est rarement évident. On va se garder au cas où. Mille épines. Ah bah elle est là. C'est l'invocation invocation de Pampa, mais c'est pour l'avoir plus souvent celui-là que j'ai, je crois. C'est même pas l'invocation que je débloque. Pour l'avoir plus souvent, mais je l'ai même pas. Je l'ai même pas encore, Pampa. Oh non, pas elle. Ah non, ça c'est mort, les gars, je vous préviens. Elle est... En fait, les autruches, niveau 9, c'est un enfer. Niveau 10, c'est encore plus un enfer. Des sacs à PV, c'est vraiment pas marrant de les combattre. Voilà. Barrière de PS? Quoi ça? Activating combat mode. Out of the way. Oh la frame! Activating combat mode. Bring it on.
Pourquoi ils mettent des autruches 5 APV ici? Pourquoi? Parez-vous. Le double sort c'est fort hein. Très très fort double sort. Je vais le garder hein. Ah, même sur elle, ça peut s'aller sur elle peut-être plus facilement aussi elle, donc on peut les mettre, on peut faire sur elle. Ça avec double sort, ça c'est pas mal. Ah putain. Je vais quand même fuir ce combat, je pense. Taper une fois pour tuer le papillon. Par ici. J'ai pas réussi. Je tente, mais... Ah là, si seulement j'avais la matéria HP plus à la de ouf, mais je sais pas comment on l'a fait. Malheureusement, je sais pas comment on l'a fait, donc apparemment elle existe. J'aurais tellement d'HP que je me ferais pas one shot, et si je me fais pas one shot, bah c'est trop trop bien quoi. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. S'il y a un objet pour fuir plus rapidement, je le ferai tout de suite. Stun. Je suis mort. Pas mort. C'est bon, taper là. Putain. En fait, c'est comme dans Dark Souls. Dark Souls, c'est bien fait parce que quand tu t'approches d'un ennemi, il va taper tout de suite. Là, elle tape pas. Je m'approche, elle ne tape pas. Et du coup j'attends et je me fais toucher au pire moment. Allez go. C'est mort, oh, c'est mort. Je pourrais pas fuir cette salle, faut que je les tue. J'ai pas le choix, je peux pas fuir la salle. Je peux pas la fuir celle-là. Putain c'est insupportable, les autruches sont full PV là. Il vise de les avoir mis celle-là. Ouais, je me fais trois shots. Le fait de temps de charger le point, je meurs en fait. Le temps de charger le point, c'est la fin. Hein. En fait, ça stagger pas. Le problème, c'est que ça ne stagger pas. Et c'est chiant. Du coup, ils sont. Pourtant, ils ont pas le stoïcisme, mais c'est les stagger. Ah, donc.
quel enfer, hein. Vraiment, on peut plus, c'est dindon de merde. Mais je viens de là en plus, non? Ah putain. Je viens de où en fait? On prend plus rien là. J'ai fait tout ça là-bas? Attends, je... Je comprends plus les potes. Il manque un coffre. C'est bon. Il est dehors. Ah, il est dehors. Ah, j'en peux plus de vous. Ouais, c'est dommage qu'elles aient pas de faiblesse, les dindons là. Ah, j'étais presque. Hein. Désolé de vouloir fuir, hein, mais vraiment, les combats comme ça... Voilà, en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas staggers et c'est ça qui me rend fou. Ça rend fou. Même le corps à corps n'est pas stagger normalement. Ah, je suis bloqué dans le coin. Et en fait, tu te bats contre eux dans des petits espaces. Elles sont très très rapides au niveau des attaques. C'est super chiant. Très chiant. Des fois elles sont stagger, des fois elles le sont pas. Pas trop. Ah, là, ça a bugué par exemple, j'ai voulu faire L1, R1, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a fait revenir sur elle et je me suis pris le coup gratuit. Bon, je suis à deux doigts de mettre que des matériaux PV, hein. Vraiment. À deux doigts. Hein. J'en peux plus en fait. Là, je vais l'enlever, je vais le mettre que dans les situations où j'en ai besoin. J'en ai même besoin, donc je vais l'enlever. Allez, c'est parti. Méga soin. Dégage maintenant. Si je veux me soigner, ce sera des potions. Point, je suis obligé, ça je suis obligé. Et PA, je suis obligé, je crois. Si je l'enlève. Je suis à 0, je peux pas. Voilà, let's go.
obligé de me DPV hein, sinon tu meurs hein. Voilà hein. Du coup t'as plus d'attaque. Y'a un pampa. Par exemple, j'ai demandé qu'elle attaque pour faire la roulade et faire mon coup de poing, elle l'a pas fait. Et du coup, je prends un coup gratuit 2 secondes après. Ouh, allez. Allez, tapez. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever de ces autruches dindons. Poule de la mort là. J'en peux plus. Ouais, en plus il reste son coup de poing. Arrêtez! Putain de merde! Si je pars. Je pars, ça fait pareil. Je pars, je prends 18 000 dans la gueule. Eh ben, j'ai failli mourir à la fin. J'ai failli mourir à la fin parce que j'ai lâché ma garde. Putain. Vraiment, matériel à mille épines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le robot là. Conflict resolved. Oh yeah. Tadam, tadam, tadam.
Allez, go mourir. Parti. Activating combat mode. Tenue noire, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, tenue noire. Non. Oh, je vais die là-dessus là. Meurtrière, c'est quoi ça? Je veux un truc là, merde. Je veux un truc, c'est quoi? Ah, c'est chiant quand tu as débloqué un matériel, c'est pour la retrouver, laisse tomber. Il y a un point jaune dessus, c'est pour ça que je... Mort aérienne. Ah oui, c'était mort quelque chose, non? C'était violet, mais je suis pas sûr. Pas assaut mortel, un truc comme ça. Méga fission carrément. Ah oui, c'est ok, je me trompe. Attends. Pas assaut quelque chose. Je sais pas. On le saura jamais, malheureusement. On le saura jamais, hein. Activating combat mode. What the fuck? Des faits, qu'est-ce qu'ils font là? C'est normal que j'ai aucun coffre. Ah non, mais on va se taper à chaque fois. Au niveau fuite, eux, c'est facile du coup, hein, par contre.
Je pense qu'on va faire que. On va faire que fuir, je pense. Comme déjà c'est déjà mieux. Alors, y a que ça. En vrai, il n'y a que des Tomberry en fait. J'y veux un Tomberry géant ou j'y rêvais? Moi je rêvais je pense. J'y rêvais je pense. Je pense j'y rêvais. Pas rêvé. Non mais à l'aide. Au secours. Au secours. There is Tomberry géant. Non. À deux. Roi Tomberry. Ah oui mais ok. Ah, d'accord, ok. D'accord, ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'un coup de poing ça fait mal ou pas? Ah, je fais comment là par contre? On va enfin trouver une mission qu'on ne peut pas faire. Activating combat mode. Ah, si je peux le faire ça. Ouais je peux le faire mais faut pas que je grid, faut que ce soit un boss de Dark Souls quoi. Faut que je tape une fois, j'esquive, je tape une fois, j'esquive. Sinon je prends des plumes de phénix en... Au pire. Ah PM aussi c'est depuis le dé... C'est trop dur en fait. Trop dur. Vas-y, je fais que du corps à corps. Ouais, mais non. Ça ferait que 30. Non, ça ferait 0 dégâts. Je peux pas. Moi, je peux pas. Le problème c'est qu'il y en a deux. Ça le problème. Power of soldier.
pas sain. C'est quoi du coup? Allez, 50 000. Ghost Hornock? La queue de phénix, elle est en train de se faire et il me tue dans la queue de phénix? On est où là en fait? Mais comment ça? Ah, je comprends. Là je comprends pas là. Mais quand on peut tuer dans la queue de phénix? J'ai raté. Ah, le petit coup qui me met son pote empêché d'esquiver et du coup l'autre il m'a tué. Okay. Bon, je regarde si j'ai gardé ma queue. J'ai grid là, j'aurais pas dû. Ok. Là il me tue pas là. Ah, donc c'était un bug. C'était un bug. C'est quoi déjà le mock? Je m'en rappelle plus. Mais c'est quoi au niveau du matérias? Oh, il m'a TP devant moi au lieu de me TP derrière. Oh non! Moi je voulais faire la queue de phénix. Le problème c'est qu'il s'est TP du mauvais endroit. Je l'ai TP derrière moi, il s'est TP devant. Ça va être chiant ce combat hein, les amis. Qu'est-ce qui va être chiant? Surtout quand je rate mes coups. Allez, je veux qu'il tape, ils veulent pas taper. C'est qu'il se TP un peu aléatoirement. Ouais. Je jure que ce combat est plus dur que tous les Elden Ring réunis. Elden Ring c'est facile. Mais... quel enfer. Allez. Je peux pas bouger. Je peux pas bouger.
Seulement j'avais plein de queues de phoenix, j'en ai pas. Raté. Combien de points de vie le deuxième? En fait, je me fais arnaquer. Je vais remourir du coup. C'est bon. Tiens. Je grid pas. Oh oui, le deuxième. C'est chaud, hein. Il en reste un. Wow, c'était chaud, hein. C'était chaud. Frappe meurtrière. Bah voilà, en fait, je l'avais juste pas gagné, en fait. Je l'avais juste vu en récompense. C'est ça, c'est frappe meurtrière. Frappe meurtrière. Alors, c'est violet, hein, du coup. Augmente la probabilité de déclencher frappe meurtrière. Ah, mais c'est juste de faire le Tom Berry, c'est tout. Non, mais vraiment. Ah, faut que je... J'ai pas le bon sort, faut que je prenne le feu. Non, je l'avais vu de phoenix. Je meurs du coup. Je vais mettre le feu ici du coup. Je craigne pas de la foudre. Ah mais nous, feu triple, il est vers le bas. Il est là. Bon, tant pis, hein, y a un rip la blague de phoenix, hein. La première fois que je vais là. L'option ancienne du menu principal permet de consommer la progression de chaque. J'ai pas compris. De consulter la progression de chaque élément, le nombre de fois que vous avez déclenché une technique de transcendance, le nombre de fois que vous avez atteint le seuil de transcendance, la liste des techniques de transcendance, la progression augmente une technique de transcendance. Ok. Il y a trois trucs que j'ai pas. Il y a un chocobo, je crois. Il y en a deux. Trois trucs. Disney c'est fini, Angel c'est fini, il y a des souvenirs que j'ai pas eu en fait. Ok. On faudra mettre les trucs pour les avoir plus souvent pour déclencher les souvenirs. D'accord.
D'accord, d'accord. Du coup, je dois revenir en arrière, faire un grand tour, non? Oula, c'est quoi ça? Oh, ce monstre là. Le dernier du niveau, non, en plus. Il va me déglinguer. Quoi? Tout seul déjà. Mémé grand galant. Ok. Ah, virus. Ok. Bon, ça, c'est pas très dur. C'est pas très dur, ça va. J'ai connu pire. J'avais pensé aux Québécois dans South Park. C'est qu'on la ref. Ok. Ben voilà, hein, GG. GG, GG. Tu vas couper le rec.